J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va préparer ensemble un gel hydraulique à la maison. Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, et que vous allez bien. Ce jour, je vais vous présenter avec vous, ou une vidéo nouvelle, pour que vous allez vous présenter le moulin dans notre maison, avec des composants simples et simples. اللي متواجدة في أي بيت إن شاء الله. غادي نبدأ على بركة الله. On commence. On a deux cuillères de l'huile, une cuillère de bicarbonate, une cuillère de l'aloe vera, gel d'aloe vera, un verre de vinaigre blanc, un verre de l'alcool, deux verres d'eau, l'eau minérale. Sinon, vous pouvez utiliser de l'eau normale, de l'eau bouillante. Vous pouvez bouillir un peu de l'eau, enfin deux verres, et vous l'ajoutez si vous n'avez pas de l'eau minérale à la maison. Voilà, on commence. Le bnat, on a juste 2 ملعقه ديال الزيت, زيت عادي. On a 2 ملعقه ديال الزيت الروميه ولا البلديه اللي بغيتو. عندنا 2 ملعقه ديال البيكربونات. عندنا 2 ملعقه ديال الجيل ديال الالوي فيرا. عندنا كاس ديال الخل الابيض. عندنا كاس ديال الخل ديال باردون كاس ديال الكحول. وعندنا جوج كيسان ديال الماء البنات, الماء المعدني. و الا ما عندكمش الماء المعدني تقدروا تستعملوا الماء تغليوه حتى يغلي مزيان وتستعملوا جوج كيسان منه غير باش يكون معقم مزيان. ودابا نبداو على بركه الله. اون كومونس اون فاميتر لو فيردو. Les deux verres. On rajoute le vinaigre. On va rajouter maintenant le verre de l'alcool. On va rajouter une cuillère grande, comme j'ai dit, de bicarbonate. On mélange un peu. On rajoute de l'huile. L'huile, pourquoi on le rajoute? Pour que dès qu'on lave les mains avec le gel hydraulique, et ben ça ne le rend pas sec. C'est pour ça qu'on rajoute de l'huile, pour que ça hydrate les mains. البنات غادي نزيدو الزيت باش من بعد ملي تبغوا تغسلوا يديكم معقم ما ينشفوش ليكم يديكم ويبقاو رطبين. ماشي لحقاش قوه المعقم كل نهار كل نهار كل ساعه نتوما غادي كديروا داك المعقم كينشف اليدين, داكشي علاش زدنا فيه الزيت ولا الويفيغا حتى هي مرطب. وميلونج بيان ابخي اون راجوت لا الويفيغا. Voilà, une cuillère d'aloe vera grande. Et après, on mélange tout. L'aloe vera aussi, ça hydrate aussi les mains et ça laisse pas. Elle laisse pas le. Dès que tu te laves les mains, ben, il reste pas sec. Parce que le gel hydraulique, ça sèche les mains. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté l'aloe vera et l'huile. Comme ça hydrate en même temps les mains. Et ça ne laisse pas trop sec.
qu'après la peau elle devient trop sec et ça c'est gênant pour nous. Voilà, on mélange bien jusqu'à ce que ça se mélange bien comme il faut. دابا البنات منين خلطنا مزيان الخليط ديالنا غادي نديرو في القريعات ديالنا هكا باش مره نبقاو ندهنو به يدينا نعقمو به يدينا مع هاد المرض. راكم عارفين دائما خص التعقيم. لا مانون اون فوا كون تيرميني دو ميلونجي اون فوا لو فيرسي دون ان بتيت بوتي كوم سا بور لو ميتر دون سون ساك دون لو ساك اون فوا لو ميتر دون اون بتيت بوتي كوم سا. C'est pratique pour le mettre dans le sac. Et à chaque fois, on l'utilise comme un gel hydraulique qu'on achète d'habitude à la pharmacie. Là, je vais le verser. Voilà. Le gel d'Yana. Voilà notre gel qu'on vient de préparer. Il est très bien. Je vais l'essayer avec vous. Je vais enlever mes gants pour essayer avec vous le gel. C'est trop pratique et c'est facile à faire à la maison. Voilà, comme vous voyez, c'est facile à utiliser. C'est facile à préparer aussi. À la maison, c'est avec les ingrédients que vous avez à la maison. En plus, il n'y a que l'alcool que vous pouvez l'acheter à la pharmacie. Sinon, c'est si vous n'avez pas. هانتوما البنات كيف ما شفتوا ساهل تقدروا تستعملوه وتصوبوه دائما كل ما يتسال لكم تقدروا تعاودوا تصوبوه في الدار وتستعملوه كيف ما موالفين كتستعملوا معقم عادي هذا نستعملوه معكم. Voilà, c'est pratique, c'est facile à faire. Maintenant qu'on a vu comment le vidéo est bien, vous dites les likes ou abonnez-vous pour recevoir comme tous les jadid. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. بالنسبة للبنات الجداد مرحبا بكم مرحبا وألف مرحبا. وبالنسبة للمتابعين القدام حتى انتم مرحبا بكم ونتمنى تكونوا مزيانين ويعجبكم الفيديو ديالي وإلى فيديو قادم إن شاء الله. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et n'oubliez pas de appuyer sur la petite cloche, abonner et like si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine vidéo.